Nous allons voir dans cette séquence de type rappel les éléments essentiels concernant le réseau téléphonique commuté. Le réseau téléphonique, c'est le réseau traditionnel qui était très utilisé pour communiquer il y a encore 5-6 ans, qui est supplanté maintenant avec le développement d'Internet et des applications de téléphonie sur Internet. Ici, je parle uniquement du réseau téléphonique classique tel qu'il existait il y a 15 ans et tel qu'il existe encore pour une bonne part. On parle de RTC ou réseau téléphonique commuté. En anglais, on parle de PSTN pour Public Switched Telephone Network. Il n'est pas facile d'écrire avec un crayon de ce type, donc c'est évidemment N comme Noémie et pas M comme Maurice. L'élément principal d'un réseau téléphonique, on le connaît, c'est ce qu'on appelle couramment un central téléphonique ou un commutateur téléphonique, ou switch en anglais. Les commutateurs téléphoniques sont reliés entre eux par des liaisons haut débit. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on peut supposer que ça se réduit à des liaisons haut débit. Les liaisons haut débit d'il y a 20 ans, c'était par exemple 2 mégabits par seconde. Donc on va supposer que c'est 2 mégabits par seconde. Le réseau téléphonique repose sur des liaisons multiplexées, c'est-à-dire que ces 2 mégabits par seconde sont en fait organisés en 32 octets envoyés successivement, chaque octet se rapportant à ce qu'on appelle un circuit, donc une communication particulière, suivant le principe du multiplexage temporel. On va transférer l'octet 0 qui sert à la synchronisation, puis l'octet 1 qui correspond à une communication, l'octet 2 à une autre communication, et ainsi de suite. Et quand on a transmis les 32 octets, on reprend la transmission de l'octet 0. On a ainsi un multiplexage temporel où la liaison à 2 mégabits par seconde est équivalente à 30 voies à 64 kilobits par seconde. Chaque voie forme ce qu'on appelle un circuit, c'est-à-dire qu'une voie permet une communication téléphonique. On voit apparaître sur ce schéma la notion de multiplexage temporel. Donc, on peut dire que les liaisons à 2 mégabits par seconde sont équivalentes à 30 circuits à 64 kilobits par seconde, comme si on avait vraiment 30 paires torsadées entre deux commutateurs 1 et 2, par exemple, ou entre le commutateur 2 et le commutateur 3. Le principe de la commutation de circuits est que lorsque Alice appelle Bob, qui est par exemple sur le commutateur 3, en début de communication, au moment de l'appel proprement dit, on va réserver un circuit entre le commutateur 1 et le commutateur 2, un circuit entre le commutateur 2 et le commutateur 3, et ces circuits vont être réservés pendant toute la durée de la communication. Qu'Alice et Bob parlent ou qu'ils restent silencieux, à partir du moment où la communication est établie, où les deux ont leur poste décroché, eh bien, les circuits sont réservés et ne peuvent pas être utilisés pour autre chose. Pour permettre aux commutateurs de communiquer entre eux, il faut qu'ils puissent s'échanger des messages. Eh bien, les opérateurs, dans les années 80-90, ont développé un réseau spécifique au réseau téléphonique qui permet aux commutateurs d'échanger des messages. Ce réseau s'appelle un réseau de signalisation. La norme qui est utilisée, c'est une norme de l'Union internationale des télécommunications et le type de message, le format des messages est spécifié dans des recommandations de l'Union internationale des télécommunications et on parle de signalisation sémaphore numéro 7 parce qu'il y a eu différents types de systèmes et
là, c'est le septième qui a été normalisé. Donc, la signalisation sémaphore numéro 7 revient à un ensemble de messages qui permettent au commutateur de dialoguer. Dans la signalisation sémaphore numéro 7, il y a plusieurs types de protocoles qui sont spécifiés. Le protocole d'établissement d'appel téléphonique s'appelle ISUP pour ISDN, User Part. Ainsi, lorsque Alice appelle Bob, comme nous l'avons vu précédemment, des messages ISUP sont échangés entre les commutateurs. Et on va avoir, par exemple, un message d'appel qui est envoyé du commutateur 1 au commutateur 2, puis un message d'appel qui est envoyé du commutateur 2 au commutateur 3. ISUP va permettre d'échanger des messages pour réserver ces circuits qui sont utilisés pendant la communication. Donc ISUP, le service qu'il fournit, c'est la réservation de circuits à 64 kilobits par seconde pour établir un appel téléphonique. Et évidemment, la libération des circuits lorsque l'appel est fini.